Coucou tout le monde, bienvenue. Alors aujourd'hui je commence cette vidéo par vous annoncer le nom de la gagnante du jeu concours annoncé en début d'année. Et la gagnante est Melissa Sacramento. Félicitations à toi ma belle, c'est toi qui as gagné le jeu concours. Tu diras merci à mon mari parce que c'est lui qui a fait le tirage au sort. Voilà, donc tu lui diras merci et félicitations à toi. Et pour toutes les autres, et ben c'est pas grave, vous aurez tout le temps une chance de gagner un jeu concours sur ma chaîne ou bien sur les chaînes des autres youtubeuses. Je vous fais plein de gros bisous et c'est parti pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, je vous parle de mon casque vapeur 2 en 1 pour mon visage et mes cheveux. Alors c'est le casque venant de chez Fabiola M et donc je vous présente ici, donc avec deux options, enfin l'option normale bien évidemment, le steam, donc la vapeur, et l'option ozone que je n'utilise pas beaucoup. Précaution les filles à prendre, c'est lorsque vous remplissez votre réservoir, l'eau doit dépasser ce petit embout en fer que vous voyez là, parce que une fois que ce petit embout ne contient plus d'eau, enfin ne ressent plus l'eau, et ben il va sonner. Alors ça c'est un petit souci qui m'est arrivé et donc j'avais pas compris, et en fait le réservoir doit être correctement rempli, et voici l'endroit par lequel on remplit le réservoir. Et de ce côté, on va insérer l'embout qui va servir à faire échapper la vapeur pour le visage. Voilà, donc c'est cet embout-là, donc duquel moi je suis tombée totalement amoureuse. voilà, et donc que j'utilise pour mon visage. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Ensuite, ce qui est bien à savoir, c'est que cet embout a une rotation 360 degrés. Donc, c'est très pratique parce que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle position. Donc, que vous soyez assise, debout ou accroupie ou peu importe, vous pouvez le tourner à votre gré pour orienter la vapeur là où vous voulez. Allez, c'est parti, je me mets à l'aise, je me déshabille et je me prépare à faire mon soin. Donc, je commence par nettoyer mon visage parce que c'est la fin de la journée. Et comme mon visage est maquillé, alors vous pouvez utiliser du coton ou des lingettes. Moi, pendant un petit moment, j'utilisais des lingettes, mais maintenant, je suis passée au coton. Les deux sont aussi bien l'un que l'autre. Mon gel nettoyant Visibly Clear, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'essuie mon visage avec des mouchoirs blancs pour garder un hygiène maximum. Et ça y est, la vapeur va commencer à arriver. Donc, je m'apprête. Et je vous montre le masque que je vais utiliser. Et c'est donc le masque Nuancian que je vais utiliser, un masque soin pureté éclat que j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'il fonctionne très bien sur ma peau, il pénètre hyper bien et ma peau après est vraiment très douce, lissée, enfin il est vraiment très très bien ce masque. Le fait, les filles, d'utiliser de la vapeur sur mon visage va ouvrir les pores de ma peau et permettre au masque de vraiment bien pénétrer ma peau. Voilà, c'est mon moment favori lorsque vous avez cette vapeur chaude sur la peau, ça fait du bien, je vous raconte pas. Et ensuite, j'applique généreusement, vous pouvez vous-même voir la quantité, et ensuite j'en profite pendant le temps de pause d'ouvrir les écailles de mes cheveux avec la vapeur d'eau. Donc vous pouvez voir comment le masque a très bien pénétré ma peau, et ma peau qui est éclatante et douce. J'aime vraiment beaucoup ce masque. Alors une fois que les écailles de mes cheveux sont ouvertes grâce à la chaleur, je vais prendre une crème nourrissante avec de l'huile de coco que je vais appliquer sur mes cheveux. C'est pas un jour de shampoing, c'est juste un jour où je vais réhydrater et renforcer le nutriment dans mes cheveux. Et c'est pour ça que je vais utiliser juste une crème nourrissante, c'est pas un soin que je vais rincer par la suite.
C'est juste une crème nourrissante avec de l'huile de coco que je vais appliquer sur mes cheveux pour renforcer l'hydratation, enfin, pas vraiment l'hydratation mais le nutriment dans mes cheveux. Voilà ce que ça donne. Ensuite je vais mouiller mes cheveux pour faciliter l'application de la crème et pour que le soin puisse se faire plus aisément. Et je passe sous le casque pendant 10 minutes voire plus. Voilà les filles, la vidéo arrive à sa fin. C'était le casque Fabiola M. Si vous n'en avez pas, sachez que Fabiola M fait des casques à 90€, donc ils sont pas très chers par rapport à ce qui existe déjà. Et donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, laissez-moi vos commentaires si ce soin vous a plu. Et puis voilà, tout ça, un pouce en l'air si la vidéo vous a plu également. Et je vous embrasse toutes et félicitations encore à toi Mélissa. À bientôt les filles, ciao ciao.